Tu as quel genre de relation avec Bassompierre? C'est un ami. Ça a même été ton amant, non? Martial, Georges a été très patient, très délicat. Une femme ne peut pas toujours dire non. Enfin, tu sais, à mon âge... Je crains que tes rapports avec lui ne s'espacent un peu à l'avenir. Et pourquoi, s'il te plaît? Parce que c'est un escroc qu'il t'a dépouillé, et je ne parle que de cette dernière année, de la somme rondelette de 2,5 millions de francs. Lourd, naturellement. C'est ce qu'on appelle abus de confiance et détournement de biens sociaux, monsieur Bassompierre. Vous comprendrez qu'étant dans l'obligation de nous séparer, nous avons préparé pour vous cette lettre de démission. Ainsi qu'un protocole notifiant la cession de toutes vos parts, en 6 exemplaires. Il ne vous reste plus qu'à les signer. Je ne peux pas nier ce que vous me reprochez, mais je vous rappelle ce que j'ai également apporté à la société. C'est pourquoi nous vous proposons cette formule qui vous évite une poursuite devant les tribunaux, avec, vous n'ignorez pas, 5 ans de prison à la clé. J'aurais aimé savoir, ou plutôt connaître, la mouche qui vous a piqué. En perdant Monsieur Bassompierre, nous perdons non seulement un ami, mais aussi un gestionnaire de talent. Mais sa décision étant irrévocable, il nous faut au plus vite lui trouver un remplaçant. Et compte tenu de sa connaissance des affaires, je pense que personne n'y est plus à même que Paul, lequel sera bien sûr secondé par Monsieur Travail. Je dois maintenant vous quitter, car vos nouveaux partenaires hollandais sont à Paris, et j'ai rendez-vous avec eux dans une demi-heure. Ce sera ma dernière contribution. J'ai décidé en effet de quitter la société, de vous abandonner toutes mes parts, que vous répartirez au prorata des vôtres. Toutefois, je me réserve l'entière disposition de la succursale de Limoges. Paul et M. Travail sont là pour répondre à toutes vos questions.